Géraldine Maillet, est-ce que dans les dîners mondains, vous avez parfois du mal à assumer de travailler dans tes PMP et c'est vrai qu'on fait, parce qu'on fait beaucoup de rigolades. Hein, c'est vrai. Pas du tout, moi, c'est une fierté pour moi. Et les gens de la haute, des fois, n'aiment pas trop. D'abord, je ne fais pas partie de la haute, mais après tout. Et non, moi, j'adore le mélange de genres de tes PMP et j'adore être avec tous mes camarades. On est tous d'horizons différents et je n'aurais jamais rencontré René sans vous, ouais. Maxime sans vous. Et René n'aurait jamais rencontré le professeur Raoult sans vous. Non, non, parce qu'avec Géraldine, on s'est rencontrés il y a 2-3 ans sur ton plateau. Ah oui, c'est vrai. Et ça s'est très mal, ça s'est fait mal passé. Non, c'est mais comme quoi, c'est pas très grave, ça peut mal se passer. Non, parce que je t'explique. À l'époque, il y avait Camille Combal. Il passait des minutes. Et elle, je me l'entends qui dit, mais je ne le connaissais pas, je ne savais pas qui c'était. Là, c'est les vidéos qu'on fait à midi avec 5 grammes. Et moi, je lui dis, mais qu'est-ce que tu racontes, toi? Mais qui tu es? Je ne le connaissais pas. Bien sûr. Je rentre à l'hôtel, le mec, il me dit, tu ne sais pas qui c'est? Il dit, non. Il me dit, c'est la femme de Daniel Riolo. Oh, maman qui est malheur. Non, mais parce qu'avec son mari, oui, je ne savais pas. On s'était chopé au grand journal, bien chopé. Ça va mieux maintenant. Alors, et maintenant, ça va, c'est mon époque. Il y a Stéphane Tapie qui m'envoie un message qui vous embrasse. Ah, voilà. Mon pote Stéphane, qu'on adore. Si on vous demande, Isabelle, de choisir entre un dîner avec l'équipe d'RTL ou un dîner avec l'équipe de TPMP, allez, avec qui allez-vous manger? Bah avec l'équipe de TPMP. Ah oui, normal. Oui. Bah c'est vrai que l'équipe d'RTL, ils mangent très tôt. Là, le couvre-feu, ça tombe bien pour eux. Hein. On aurait pu faire le couvre-feu à 17h, ça ne changeait rien. Hein. On dîne à 16h, à 17h, on est au lit. Hein. Non, mais c'est vrai, on les aime bien quand même. Il y a des gens sympas là-bas. Cyril, est-ce que la 11e saison de TPMP sera la dernière? Non, je vous le dis, ce ne sera pas du tout la dernière. Puisqu'on est encore là pour 3 ans déjà sûrs et peut-être 4. Oh, ah oui. Voilà. Oui. Maxime, tu as déclaré être en couple depuis un moment. Oui. Peux-tu nous donner le prénom de la personne avec qui tu partages ta vie? Non, elle ne veut pas que je le dise. Hein. Donc je respecte son choix. Un jour, j'ai donné le prénom de quelqu'un avec qui je sortais et elle ne l'a pas supporté et elle m'a. Un âge lâché. Ou un métier? Hein? Un âge ou un métier? Un âge alors? 34 ans. Ah. 34 ans? Un métier. Un métier. Un métier. Routier. Dans la communication. Voilà. Je ne peux plus le voir. Dans la communication, voilà. Routier. Ah, il a. Quel regard, il est mort de rire. Routier. Dans la communication, ben, écoutez, on l'embrasse. Parce que je sais que vous avez donné, en fait, non, vous aviez donné le nom de Lucie un jour. Oui, c'est ça. Et je me rappelle. Voyez-vous comment je suis fort. Lucie, je l'ai vu, elle est très jolie. La mémoire. Eh ouais, Lucie, je me rappelle très bien. Et Lucie, ça avait mal, c'était mal terminé, donc donnez pas. On veut que ça se passe bien. René, quel chroniqueur vous a le plus mal accueilli? Bon, j'ai tout le temps été bien accueilli, mais là, après, c'est en train de se gâter. Jean-Michel, pense à Jean-Michel aussi? Oui. Hein, Jean-Michel, c'est ça? Ça ne s'invente pas. Moi, je l'aime beaucoup. Il y a rare, tous les témoins qui... Tu quoi? J'aime beaucoup, moi. Tu m'aimes beaucoup. Ouais. Eh ben, ne m'aime plus, hein. Jean-Michel, en vrai, combien as-tu payé tes implants capillaires? Ah ouais. Zéro. Bah, ça ah, c'est zéro, un... c'est un échange de bons procédés. J'ai fait une vidéo pour la clinique qui a été vue, parce que c'est la deuxième opération. La première a été vue 2,5 millions de fois. Ah, ouais. Aujourd'hui, on va le rappeler une deuxième fois. Ça fait de la pub, mais je n'ai pas payé. Mais ça vaut combien en vrai? C'était entre 10 et 12 000 euros. Ah, ouais, quand même. Oui, c'est un beau cadeau. Hein. Hyper cher. Bah, écoutez, c'est beau, acheter une moumoute. C'est pas très moral. Non, mais c'est... Gilles, ça fait 4 ans que vous avez fait une émouvante demande en mariage sur ce plateau. Pourrait-on savoir quand Fatou a prévu de passer de la TV? Ça fait 4 ans que vous dites ça. Hein. Ah bah, je peux pas vous dire plus, ça avance à grand. Ouais, bah, elle doit être loin. Hein. Elle doit être loin. Mais il est jumelle, là, bien sûr. Vous inquiétez pas, je la vois arriver. La même terre réfléchit. René, question du public. Quelle qualité Isabelle a que votre femme n'a pas? Oh, c'est dur. L'âge. Oh, ça, c'est vache. Ouais, bah, c'est le public. Non, mais ça, ne dites pas. Vous n'êtes pas obligé de répondre. Après, c'est vrai qu'Isabelle, elle est. Bah, comment ça? Elle entend hyper bien pour son âge. Eh bien, Isabelle. Non, mais c'est vrai. Isabelle, c'est mon amie. Voilà. Ah. Donc, d'accord. C'est voilà. Beau, hein? Ouais. Et ben là, Isabelle a pris une claque dans la gueule. Je crois qu'elle était sur le dossier. Valérie Benahim, toi qui connais tous les chroniqueurs depuis des années, lequel a pris le plus la grosse tête? Ça peut être un chroniqueur qui n'est pas là non plus. Dis la vérité. Ouais, je réfléchis. Le plus Raymond. La grosse tête. Raymond. Ah ouais, Raymond.
Raymond. Raymond un peu, ouais. C'est vrai. Il arrive le dernier dans le plateau. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Il se fait acclamer par le public. Ouais, ouais, j'ai remarqué ça, c'est vrai. Mais bon, c'est bien remarqué, moi. Il est d'Arca. Mais je l'embrasse très très fort d'ailleurs. Ouais, il reviendra la semaine prochaine, notre Raymond. Clément Garin, tiens, question intéressante du public. Avant, vous crachiez sur TPMP. Maintenant, vous travaillez. Comment expliquez-vous ce retournement de veste? Alors, c'est vrai que Clément a déjà fait des tweets. Non, mais on va expliquer. Vous m'avez interpellé en 2017 sur Twitter parce que j'avais critiqué TPMP. Je lui ai dit très gentiment. Oui, bien sûr. Non, mais je vais te niquer ta race. Non, j'étais très content. Ça s'est très bien passé. Ouais. Vous avez demandé à me rencontrer sur Paris. Donc c'est vrai. On s'est rencontrés dans une brasserie. Vous avez payé en plus, bravo. Ah bah voilà, vous voyez, ça fait du bien. Et donc ensuite, on a continué à se parler pendant plusieurs mois. On s'aime beaucoup. Et je pense que ça se passe bien. J'ai appris à vous connaître, j'ai appris à connaître l'émission, j'ai appris à connaître les chroniqueurs et j'ai changé d'avis. Voilà. Non, mais c'est vrai que j'aime bien savoir moi, pourquoi les gens critiquent. C'est vrai que j'appelle souvent. Gentiment en plus. Non, franchement, j'étais très gentil. Mais ça s'est très bien passé, franchement. Attendez. Je vais pas attaquer Clément, c'est mon pote. En plus, et maintenant, vraiment, je le dis, on s'adore. Franchement, c'est vrai. Franchement, oui. Et Clément, tu sais que tu peux compter sur moi en plus. Et je sais que, voilà, il le sait qu'il peut compter sur moi. Pas juger. C'est vraiment partie de la famille. Oui, madame, oui, qu'est-ce qui se passe? Faut pas qu'il juge. Voilà, c'est important. Parce qu'il y a quelqu'un qui est au bout du bar, faut pas juger. Non, faut pas juger. Un peu de cause, s'il te plaît. Arrête là. Géraldine Maillet, imaginons que le studio prend feu et qu'il faut sauver 9 chroniqueurs. Lequel tu ne sauves pas? 1, 2, 3, 4. C'est dur. Tu peux même mettre l'animateur, hein. Tu peux pas me sauver si tu veux. Bah, je vous sauve pas parce que je sais que vous êtes tellement fort que vous allez réussir par vous-même. Ouais, bien. Donc, pas mal, bien joué. Pas mal. S'en sortez bien. Bravo, Géraldine. S'en sortez bien, Géraldine Maillet. Non, René, non, c'est bon. Ah ouais. Gilles Verdez, depuis la rentrée, vous êtes beaucoup plus calme. Est-ce que c'est parce que Cyril vous a mis un coup de pression? Oui. Oui. Alors, c'est oui. Question suivante. Vous voulez répondre quand même? Réponds oui. Et je le dis honnêtement, je vous dis la vérité, c'est que j'adore Gilles. Ah, mais il est top. Et que Gilles, c'est vraiment un garçon que j'aime humainement et que j'aime sur le plateau. Et c'est vrai qu'à un moment, dans TPMP, je vous dis tout, là ce soir, voilà, je vous raconte, c'est vrai qu'à un moment, il y avait peu de gens qui étaient vraiment contre les émissions. Et c'est vrai que Gilles, il n'a jamais joué un rôle quand il est contre une émission, il le dit. Mais c'est vrai que comme c'était un peu le seul, à un moment, c'était un peu le seul à gueuler. Et je lui ai dit, c'est vrai, donne ton avis, mais gueule-moi, même si t'es le seul. Et en fait, maintenant, ça passe beaucoup mieux parce que les gens, franchement, nous disent que vous faites un début de saison exceptionnel. Et vraiment, merci à vous. Bravo, mon Gilles, et vous êtes beaucoup top. Tiens, Soraya, il y a une question pour vous, pour notre coiffeuse. Et dites la vérité, qui est le plus différent devant et derrière la caméra dans toute la bande ici? Qui est celui qui est différent derrière la caméra et devant? Dites la vérité, hein. Allez. Même ceux qui sont pas là? Oui. Va me dire Gérard Louvain, qui est pas bien depuis 10 ans. On l'embrasse d'ailleurs, Gérard. Alors qui? Non, le moins vrai. Oui. C'est Maxime. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ah ouais? Bah, ça m'étonne parce que moi, Maxime. C'est plus détente en coulisses qu'en plateau. Ah bah, c'est normal, il y a un peu de pression en plateau. Bah non, regarde. Attends, il y a une question de David Barbé, un pote, voilà, journaliste, qui dit Valérie a-t-elle mal pris l'arrêt d'à poil? Voilà. Bah non, parce qu'on on s'appelle régulièrement avec Cyril, voilà. Et franchement, en plus, on avait déjà évoqué une éventualité et la nouvelle émission TPMP Weekend, donc non, absolument pas. Alors, très bien, Soraya. Et c'est lui qui est le plus. Pareil, en dehors de la caméra. Jean-Michel Mert, voilà. Tellement. Valérie, donnez-nous deux défauts qui vous insupportent chez un des chroniqueurs. Voilà, celui n'importe quel chroniqueur. Ouais. Gilles qui voit des complots tout le temps, et voilà, ça c'est insupportable. Ouais. Parce qu'il est tout le temps, ou c'est noir ou c'est blanc, il n'y a jamais gris avec lui. Ça c'est le premier défaut. Et Isa quand elle radote. Ah d'accord, très bien. Ah ouais. Isabelle, voilà. Bah, Gilles et Isa, vous avez pris un petit tacle. Question, Jean-Michel, toi qui fais partie des anciens chroniqueurs, quelle nouvelle recrue est un mauvais choix selon toi? Nouvelle recrue est un mauvais choix? Ça me gêne de le dire parce qu'il n'est pas là, mais je ne sais même plus comment il s'appelait, Clément H.
Ben H. Il était super. Parce que, oui, je trouve qu'il était très bon dans Pilote, par exemple. Mais moi, et je trouve que, je ne sais pas si c'est la pression ou pas, non. Mais quand l'émission commence, eh ben, je ne sais pas s'il est... Il en a fait des très bonnes, et j'espère qu'il va revenir avec nous, Ben H. Ah oui, mais là, qui se lâche à ce moment-là? Il va vous lâcher, il va se lâcher, il va vous cracher à la gueule, vous allez voir. Ah oui, il a le droit. Tiens, Isabelle, si Cyril Debarre était TPMP, selon vous, quel animateur pourrait parfaitement lui succéder? Vous succédez? Alors, sincèrement, moi, je pense aucun. Aucun n'a, avec les défauts et les qualités, hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la fulgurance, il n'y a peut-être pas non plus la niaque. Non, moi, je pense sincèrement que si vous vous arrêtez, l'émission s'arrête, sincèrement. Ouais. Bah, écoutez, bah, on fait, non. Pour l'instant, je continue. J'espère que vous continuerez avec moi. Tiens, enfin, une question. Tiens, je vais faire une dernière question. Jean-Michel Maire. Où? Et après, j'aurai une dernière question pour moi qui est très chaude. Jean-Michel, parmi toutes les chroniqueuses de TPMP actuelles et passées, laquelle aurais-tu aimé pécho le plus? Toutes. Delphine Vespizère. Ah ouais. Delphine Vespizère. Ouais. Ah ouais. Je la trouve magnifique, rayonnante, ouais, brillante. Ouais. Voilà. Et elle est maquée, je respecte, j'aime beaucoup son mec. Moi aussi, Roger, je l'adore. Roger, que j'embrasse Roger d'ailleurs. Et voilà. Mais je lui ai dit, hein. J'ai même dit à Roger que s'il n'était pas là, je la canerais. Mais c'est ça votre force, hein. Vous dites les choses. Hein. Bah oui. Voilà. Question pour moi, la dernière. Regarde la caméra, et ils sont durs le public, hein. Et donne-nous sincèrement la principale qualité d'Arthur, de Yann Barthès et Michel Simès. Oula, 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 oula. Vous avez une heure. On va se retrouver lundi. Hein, bien entendu. Non, alors, Yann Barthès. Yann Barthès, je dirais que c'est un très bon journaliste. Moi, je trouve qu'il fait bien son truc, franchement. J'ai rien, moi, contre Yann Barthès. J'ai jamais eu de problème vraiment avec Yann Barthès. Je l'ai toujours dit ici. On se connaissait parce qu'il était à Canal avant, mais j'ai pas de souci avec lui. Donc, je trouve qu'il fait bien son boulot, fait bien son taf. Michel Simès, sa principale qualité, franchement, c'est qu'il est quand même malin. Il est malin. Il arrive. Et Arthur, je trouve pas. Son prénom. Voilà, merci. On retient très vite. Merci.